au roi de Prusse, sur un buste en porcelaine, fait à Berlin, représentant l'auteur, et envoyé par Sa Majesté en janvier 1775. Épictète, au bord du tombeau, a reçu ce présent des mains de Marc Aurèle. Il a dit « Mon sort est trop beau, j'aurais vécu pour lui, je lui mourrai fidèle. » Nous avons cultivé tous deux les mêmes arts et la même philosophie. Moi sujet du monarque et favori de Mars, tous les deux parfois objets d'un peu d'envie. Il rendit plus d'un roi de ses exploits jaloux. Moi, je fus harcelé des gredins du Parnasse. Il eut des ennemis, il les dissipa tous, et la troupe des miens dans la fange coasse. Les cagots m'ont persécuté, les cagots à ses pieds frémissant en silence. Lui sur le trône assis, moi dans l'obscurité, nous prêchâmes la tolérance. Nous adorions tous deux le Dieu de l'univers, car il en est un, quoi qu'on dise. Mais nous n'avions pas la sottise de le déshonorer par des cultes pervers. Nous irons tous les deux dans la céleste sphère, lui fort tard, moi bientôt. Il obtiendra, je crois, un trône auprès d'Achille et même auprès d'Homère. Et j'y vais demander un tabouret pour moi. »